Pour réussir la rentrée, il est crucial de cibler en priorité les audiences qui vous intéressent. Dès le mois de juillet, vous devez mettre à profit les trois options de ciblage d'audience que sont Customer Match, RLSA et le remarketing dynamique. Customer Match. Cette solution va vous permettre d'importer l'audience de votre base CRM dans Google AdWords pour la cibler entre autres sur le réseau de recherche et les annonces sur Gmail. Une bonne pratique consiste à importer votre liste d'abonnés acheteurs en leur communiquant vos offres pré-rentrée, notamment sur les requêtes génériques. Le RLSA. C'est la solution qui doit être combinée à toutes vos campagnes search. Dès aujourd'hui, créez des listes de visiteurs sur des périodes courtes de 3, 7 et 30 jours, ainsi que des listes d'anciens acheteurs et d'abandons paniers. Assurer un bon affichage pour ces internautes est la clé des conversions et d'une bonne rétention. Pour cela, vous devez mettre en place des ajustements d'enchères sur ces listes dans vos campagnes. Vous pourrez ensuite tester des mots-clés génériques auprès de ces audiences et leur associer un message distinct. Le remarketing dynamique. Enfin, vous avez la possibilité de recibler votre audience de façon dynamique sur le réseau du Splay, qui, rappelons-le, attire 32 millions de visiteurs uniques chaque mois. Là encore, je vous recommande de jouer sur la récence des listes avec des durées de 1, 3, 7 et 15 jours. Assurez-vous de bien inclure tout votre flux dans vos campagnes de remarketing dynamique afin de pouvoir présenter aux internautes tous les produits qu'ils ont pu consulter précédemment. En conclusion, le ciblage d'audience passe par trois solutions. Customer Match, le RLSA, le remarketing dynamique. Ainsi, vous proposerez l'expérience la plus personnalisée possible à vos prospects et clients pendant l'été. Merci d'avoir suivi nos vidéos pour la rentrée et bonne préparation à tous.